Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le samedi 31 décembre et donc là j'attends ma collègue Amie en fait pour me rendre chez Action. Donc pour espérer trouver les trucs de Laura, j'ai pris une enveloppe bulle au cas où je trouverais son bonheur. Comme ça j'en profiterai pour poster ça du boulot. Donc je ressemble à un petit esquimau, mais ce matin, je sais pas si vous voyez derrière moi, tout est gelé. Il fait super froid, donc j'espère qu'elle va pas trop tarder. On se retrouve, donc je suis bien arrivée au travail, donc je suis passée chez Action. Donc j'ai bien trouvé les deux sets de stylos pour Laura, qui d'ailleurs étaient à 89 centimes. Je pensais que c'était 99 centimes, en fait c'était 89. Donc encore mieux. Par contre, j'ai pas trouvé les pochettes, donc ça m'a un peu déçue parce que j'y étais il y a pas très longtemps chez Action. J'ai dû y aller jeudi ou vendredi, donc ça part juste trop trop vite. Et j'ai toujours pas trouvé les lingettes démaquillantes, donc pour Carole et pour Laurence. Donc je suis désolée les filles, ben, j'abandonne pas, mais je me demande si c'est un produit qui est pérenne finalement, parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'y vais et je ne tombe pas dessus. Donc après, mes sœurs sont sur le coup aussi, donc je désespère pas, mais je désespère quand même un peu. Ton petit paquet est déjà parti Laura, donc je t'en souhaite bonne réception et j'ai pris note des pochettes, si je tombe dessus, je penserai à toi tout de suite. Donc là, donc j'ai trouvé d'autres petites choses chez Action, mais je vous les montrerai. En rentrant à la maison, je devrais rentrer vers 18h, je pense. Et puis en fin d'après-midi, début de soirée, donc on ira manger chez ma soeur donc pour le réveillon. Mais on rentrera pas très tard puisque mon mari travaille de matinée demain matin, donc il va se lever très tôt. Donc bah faut être raisonnable hein, quand même malgré tout. Et puis ça sent la fin des vlogmas. Donc je pense que je vous en tournerai pardon, un dernier demain. Histoire qu'on se quitte pas comme ça brutalement, comme ça je la publierai donc bah, lundi forcément avec une journée de décalage et ça nous permettra de reprendre entre guillemets nos rendez-vous donc hebdomadaires, donc les lundis matin, mercredi matin et vendredi matin. J'espère que ces vlogmas vous auront plu. Je sais forcément qu'il y en a qui ont été plus intéressants que d'autres, mais notre vie de famille est ainsi faite, hein. Des fois on sort plus que d'autres. Mais en tout cas en 2017, il n'y a aucun souci, dès qu'on fera des sorties ou autres, je referai des vlogs et on vous emmènera avec nous. Et de toute façon, pour celles qui ont Snapchat éventuellement, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous mets mon pseudo dans la barre d'infos. Donc c'est Passion Lily comme ma chaîne. Puisque je vais reprendre les snaps comme j'avais fait au mois de novembre. Au mois de novembre, je vous faisais des stories tous les jours en fait. Ça m'a permis de m'entraîner pour les vlogmas parce que je vous avouerai que j'étais pas sûre de bah, d'y arriver. Et finalement, je suis plutôt contente. J'ai réussi et en plus vous avez été vraiment, vraiment, vraiment adorable. Je vous l'ai déjà dit, mais sincèrement, j'ai vraiment une chance inouïe. Vous êtes une communauté juste au top. Vous êtes super gentilles les unes avec les autres. Vous êtes... Franchement, vous êtes au top. Je peux pas dire mieux. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais aller bosser un petit peu quand même, parce que c'est pas tout ça. Même s'il n'y a absolument pas un rat dans le centre, parce que je pense que les gens vont se diriger vers Carrefour pour aller chercher bah, leurs aliments, enfin leur nourriture pour ce soir. Et que nous, clairement, je pense qu'ils vont pas trop venir nous voir. Mais bon, c'est pas très grave, je suis avec ma collègue, donc je suis super contente de finir bah, cette année 2016 avec elle. Et donc on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve donc à la maison, il est un petit peu plus de 18h. Donc après, je vais aller me changer. Je pense que je vais remettre un pull de Noël parce qu'après, ce sera plus trop la saison. Donc je vais en profiter ce soir, même si je pense que je le porterai encore un peu au mois de janvier. Donc je vais vous montrer mes quelques trouvailles Action. Donc j'ai pas pris grand-chose, mais je suis tombée sur deux trucs assez sympas. Donc tout d'abord, j'ai pris ce carnet en fait, qui est un peu dans le même style d'ailleurs que les pochettes. Par contre, comme vous pouvez voir, il est assez épais. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais la couverture, elle est en tissu. Franchement, j'ai trouvé trop chouette. Avec un petit ruban, vous savez, marque-page. À l'intérieur, c'est des lignes comme ça. Et c'est pas comme si des carnets, j'en avais pas. Je ne sais pas combien. Mais j'ai trouvé super beau. Donc, je l'ai pris et il était à 1,99 €. Et j'ai trouvé tellement chouette que j'ai pris exactement le même en rose. Voilà, avec le petit floquet en doré. Donc, pareil. Par contre, ils sont assez lourds. Donc voilà, donc pareil, couverture en tissu, donc pareil, 1,99 €. Ensuite, j'ai repris deux cahiers comme ceci que je vous avais déjà présenté, donc en 3D, parce qu'il en restait quelques-uns et que j'avais, enfin, je me suis dit, si c'est comme pour les autres articles, après je galère à retrouver, j'ai préféré en reprendre maintenant, donc 99 centimes, donc du coup, j'ai repris un mémo et un Reine des Neiges. Et je pense que si la prochaine fois il y a d'autres modèles, je pense que j'en reprendrai parce que franchement ils sont top pour les enfants, pour faire des petits dessins, même des petits cadeaux, c'est juste parfait. Ensuite j'ai repris un Quicks, un produit dégraissant à la 750 ml à 1,39 €. Ce produit est juste génial. Moi je l'utilise pour ma cuisine
Il est juste parfait. Il vaut tout à fait les CD de banque et compagnie qui coûtent au moins 4 ou 5 euros. Là, pour 1,39 €, franchement, il est génial. Donc, j'en avais déjà un. Il n'est pas terminé. Mais comme apparemment, c'est des produits qui partent vite, là, il y avait du stock. Donc, j'en ai profité. Bon, par contre, j'en ai pris qu'un parce que je voulais qu'on ait 15 millions d'avance. Et j'ai aussi pris le Quix nettoyant WC que j'avais pas testé. Donc, je me suis dit que voir si ça vaut. Je sais plus ce qu'on prend d'habitude. Pour nettoyer les WC. Je sais plus, mais pareil, c'est une marque et ça coûte. Alors, hyper efficace, hein, mais ça coûte une blinde. Donc, je me suis dit qu'on allait tester ça. Et ça vaut 1,04 €. Donc, autant vous dire que si il vaut l'autre produit qu'on achète, clairement, je me ferai un stock. Donc, je vais le tester rapidement. Parce que je pense retourner à Action la semaine prochaine. Donc, comme ça, je ferai un stock si c'est vraiment génial. Et donc, en dernier article, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai pris donc les deux lots de crayons donc, pour Laura qui sont déjà expédiés. Pour les trousses, bah, comme je vous l'ai dit, je suis déçue. J'ai vu tout à l'heure au boulot que j'avais un commentaire me demandant quelle action j'avais été. J'ai été au même que toi, à celui de Torcy en fait. Donc, je vais te répondre de façon commentaire, mais j'ai été au même que toi, celui de Torcy, et j'y étais il n'y a pas longtemps. J'y étais jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Ouais, franchement, il faudra regarder ma vidéo, mais ça date de là, il y a 2 ou 3 jours. Et franchement, quand j'y étais, j'ai trouvé les 4 modèles sans problème. Mais il y avait au moins, je sais pas moi, il y en avait peut-être une dizaine ou une quinzaine. Donc franchement, j'étais super étonnée ce matin en y allant de ne pas les trouver. On voit toujours l'espace, mais l'espace est vide. Après, l'espace est toujours là. Donc j'ai bon espoir qu'ils en remettent. Donc bah, ce que je te propose, c'est que moi, je compte y retourner la semaine prochaine. Si au cas où j'en vois, bah, j'essaierai de revenir. Je vais essayer enfin, de me mettre un mot dans mon carnet sous quelle vidéo tu m'as laissé ce commentaire. Et apparemment, t'es pas loin de Torcy. Donc si je vois, je te dis quoi. Donc je vais aller me préparer gentiment. On a vécu un drame, je vais vous montrer ça. Mais le chat, a priori, donc Ilan sortait de la douche. Il est parti dans sa chambre pour aller à son armoire chercher ses vêtements. Et Yoga a surgi de je ne sais où. Et pour s'agripper, pour monter dans le lit, en fait, s'agripper au dos de Ilan. Je vais vous montrer, il a des griffures, le pauvre, c'est une catastrophe. Mais bon, apparemment, ce serait un accident. Donc j'espère que ça ne se reproduira pas parce que le pauvre, il a un peu pris cher. Je vais vous montrer ça. Donc je sais pas si avec la luminosité, vous pouvez vous rendre compte. Approche-toi, Ilan. Mais Attends. franchement, Ah non, c'est encore pire. c'est pire là, ce que tu fais. Non, non, Non tourne-toi de mais. l'autre côté, mon cœur. Non, tourne-toi. Non, comme Regarde ça. pas la lumière. Non, tête opposée. Bon. Enfin, ouais, là on voit bien, franchement, la cata, quoi. Mon pauvre bébé. Mon pauvre bébé. Ma petite tendresse. Et voilà, nous sommes en 2017. Truc de fou. L'année 2016 est passée trop vite. Donc tout d'abord, bah, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2017. J'espère qu'elle vous sera favorable dans tous les domaines, mais demain je me poserai et je prendrai le temps bah, de faire des vœux plus sympas et vous parler projet 2017 et tout ce qui s'ensuit. Je voulais vous remercier pour cette année 2016 passée avec vous. Franchement, c'était vraiment, vraiment génial. J'espère que l'année 2016 sera aussi belle. Donc là, il doit être à peu près 1h, 1h30 du matin. Donc mon mari est parti se coucher. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, dans quelques heures, il part travailler. Je voulais vloguer à la base chez ma sœur le réveillon, mais c'était juste pas possible. Parce qu'il y avait donc 2 couples d'amis. Et en plus, il y avait donc 9 enfants au total. Autant vous dire que je vous aurais plus cassé les oreilles qu'autre chose. Mais on a passé un super bon moment tous ensemble. On a bien mangé. C'était vraiment très très cool. Donc bah, j'espère que malgré tout ce nouveau vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon réveillon en famille, que vous en aurez bien profité. Et que voilà, l'année 2017 commencera en toute beauté pour vous. Et on se retrouve demain donc, pour la dernière vidéo de cette grande série de Vlogmas 2016, donc à cheval 2017. À demain, bisous.